partenaire Polydor. Et puis tout de suite, enfin qu'on est, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé que le gouvernement prend toutes dispositions pour faire fin d'année capable bien passer dans le pays. La police mobilisée pour la sécurité, gain travail nettoyage cap fait dans la zone métropolitaine non à Crestville provinciaux. N'a pas invité nous suivre un extrait dans déclaration dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. De fin d'année. Donc, nous prenons des décisions au niveau de tout gouvernement parce que, au moins, nous t'aimons que le peuple les prend au de Noël. Là. Parce que, combien de fois, le peuple n'a pas même pris au de Noël. Là. À travers qui ça? À travers qui ça? Sécurité, à travers les rues. Ensuite, nous gagnons tout un ensemble d'activités culturelles qui pourraient le faire, non seulement au niveau de Champ de Mars, mais au niveau des grands quartiers de Port-au-Prince, côté que font une ambiance pour Mounio, ça permet des activités économiques tout faites dans la zone Sahel. Et respectant bien sûr. Donc nous connaissons que la rue en salle, mais nous commençons à agir sur les. Mais mesure pour nous dire que nous prenons disposition, ce n'est pas une opération coup de poing à faire, mais c'est une opération qui est plus ou moins structurelle avant que nous venions à un bagage qui est plus définitif. Actuellement, si comme nous parlons de Fatra, nous-mêmes au niveau du gouvernement de la République, nous très conscients de ça et nous avons une cinquantaine de camions qui vont le déployer au niveau des rues de la capitale. Et bien sûr, après ça, nous allons déployer tout au niveau des grandes villes de province. Mais 50 camions, ça a gagné pour le travail, pour le ramasser détritus, n'est-ce pas vrai, pendant les 4 prochains mois, au moins déjà. Et puis nous sommes dit dans Grand Titio, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, agronome Carmel André Béliard, qui a gagné un clé plusieurs cadres dans le ministère SILA. Fait yon visite mardi 19 décembre dans l'école moyenne agricole dans Vallée la Tibonite et Mava. Objectif visite là, c'est pour garder dans qui point travail réhabilitation qui commençait dans l'école là a avancé. On suivit un reportage avec Richardson Jourdan et puis le Ward Orly Jean-Jacques. C'est Fim Sokaye qui a exécuté travail réhabilitation l'école moyenne agricole Vallée la Tibonite là et Mava. Pour garder l'état avancement travail, le ministre de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Carmel André Béliard, fait une visite mardi 19 décembre. Le travail que nous venons visiter là, c'est que nous avons gagné à part de 6 bâtiments que nous sommes capables de gagner là. Nous avons fait l'autre construction là-dedans. Donc nous avons ajouté un dortoir à Poufi, nous avons réaménagé l'atelier, nous avons bien André que nous avons ajouté. Nous avons fait près de 6 autres bâtiments, plus nous avons fait clôture là. Que c'est un bagage qui était pour un pile de ressources pour nous mettre plus ou moins construction en sécurité. Travail réhabilitation, ça entraîne dans quatre visions, président République, Jovenel Moïse, qui voulait pour jeunes garçons et filles, gain outils, au soir métier dans main pour aider tête, d'après ministre Carmel André Béliard. Ça fait partie toujours de mise en œuvre feuille de route là. Côté, il a accordé un pile d'importance à formation. Ouais. Dans le domaine agricole, l'éducation dans le domaine agricole. Et l'école, ça, elle est adressée à une strate bien définie. Ouais. C'est cadre intermédiaire dans ce secteur. Or, nous avons en pile et carence en technicien à niveau moyen. Nous après que nous avons pile agronome, grand pile faculté d'agronomie. Tout dernièrement, nous avons fondé nombreusement, nous presque dépassé 26 à travers le pays. Et nous avons très peu de cadres intermédiaires. Et c'est une façon tout pour nous encourager jeunes à retourner vers la terre et adresser problème migration vers Amérique latine, Chili, Venezuela, Brésil, etc. Toujours d'après le ministre de l'Agriculture, processus d'inscription pour jeunes doit lancer dans le mois de janvier Cap Vinian. Il y a une façon pour l'école là capable de commencer à fonctionner dans le mois de mars 2018. L'école là, il peut accueillir 45 étudiants. Donc, étudiants, ça a bien pu passer près de 2 ans et demi là. Le président, dans plusieurs discours, il parlait de Emava, importance dans la vallée.
parce que c'est ça qui fait que nous, en même temps, parallèlement, nous avons un curriculum l'école là, continuer à orienter vers l'entrepreneuriat agricole, orienter vers la mécanisation agricole, parce que distance pour mandat, président Jovenel l'a fini, au moins, au capable de gagner près de 2000 tracteurs qui circulent, qui travaillent dans la vallée. Et là, nous faisons un inventaire, nous avons 200 opérateurs. Donc, nous allons orienter Mava vers la formation d'opérateurs, tout, et mécaniciens en tracteur agricole et aussi vers l'entrepreneuriat agricole. L'école moyenne agricole va de la Timonite, là, et Mava, fondée dans l'année 1984, il a déjà mis des promotions sur le marché de travail. Là. 16 millions de goudes, c'est quantité l'argent gouvernement décaissé pour faire travail, réhabilitation et Mava. Merci Richardson avec Darly. Prochain point d'actualité on n'a pas abordé, c'est assise ACPUEO qui c'est une occasion pour chaque groupe parlementaire traiter thématique qui gagne intérêt dans le pays. Égalité et équité, femmes et garçons, c'est une thématique qui t'a attiré attention en pile nos parlementaires qui étaient dans l'Assemblée. Diablo Aissata Touré, qui est député dans le pays Mali, rete quoi lit femme a mené doit faire dans respect droit et devoir tout le monde pendant li encourager femme continuer former tête yo. Diablo Aissata Touré est dans micro 6 mars avec Fresnel Toussaint. Nous avons la même réalité chez nous au Mali, dans les pays frontaliers en Afrique de l'Ouest. Et un peu plus loin d'ailleurs, même au niveau du Sénat et du Congrès américain, où nous avons eu la chance de faire une sortie, nous nous sommes rendus compte que les femmes ne sont pas aussi représentées que leur nombre réel au niveau mondial le mérite peut-être. Parce que nous parlons d'équité. Si nous parlons d'équité à un certain niveau, en termes de compétences, en termes de valeurs, les femmes, les postes qu'elles doivent avoir, elles n'ont pas ces postes-là. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est une question à réflexion. On en parle, mais peut-être qu'il faut maintenant agir pour que ça soit rétabli. Les acquis, nous venons de voter une loi sur le quota, c'est-à-dire pour les postes électifs et les postes nominatifs, nous avons arrêté un pourcentage de 30%. On dit promotion du genre. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Sur chaque liste qui existe, nous avons soit 30% de femmes, soit 30% d'hommes. Oui. Aujourd'hui, c'est la loi qui a décidé ça. Quand vous parlez d'équité, c'est effectivement l'équité. Parce qu'on ne peut pas... Il y a certaines personnes qui parlent égalité. Mais moi, j'irais plus dans le sens de l'équité. Ce qui doit être. Si tu mesures, l'homme mesure 1m70, la femme fait 1m40, il faut trouver les moyens de mettre un escabeau qui peut ramener la femme à 1m70. Voilà une précision. Diallo Aissata Touré, qui est député dans le pays Mali. Ambassadeur représentant Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Déger, bat bravo pour réalisation sommet ACPUEO dans le pays d'Haïti. Diplomate lan qui félicite qualité intervention yo pendant assemblée a déclaré dédommagement moun ki victime choléra yo doit continuer faire débat pendant li mandé Nations Unies pour prendre responsabilité. On suit. Le changement climatique est une problématique essentielle dans notre approche, c'est d'aider effectivement nos pays amis également à développer des politiques énergétiques qui fassent appel de plus en plus aux renouvelables. C'est ce qu'on essaie de faire au niveau européen. On essaie aussi de stimuler les pays qui ont potentiel, comme Haïti d'ailleurs, qui a un gros potentiel en matière d'éolien ou de solaire, pour aller plus et de manière plus déterminée dans cette direction. Et on a des appuis financiers pour aider à ce processus. L'énergie, normalement, c'est quelque chose qui produit des recettes. Hein, donc on ne va pas faire du don sur ce genre d'opération. Par contre, on peut très bien avoir des prêts de la Banque européenne d'investissement, par exemple, pour aider à développement des énergies renouvelables. Mais pour ça, d'abord, il faut des bons projets, donc il faut déjà avoir une capacité technique de monter des bons projets. Et ça aussi, c'est un élément de cette discussion, c'est de favoriser l'échange d'expériences entre les différents pays, ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins bien, et de trouver des solutions communes. Le premier signal dans ce sens-là, ça devrait être quoi? De quel point de vue vous Là, on parle de l'indemnisation des victimes du choléra.
Ben, la première étape, c'est que les Nations Unies doivent monter un plan dans ce domaine. Donc on attend de voir quelle sera effectivement la proposition qui sera faite par les Nations Unies. Ils sont venus ici, il y avait la première visite de l'envoyé spécial du secrétaire général il y a quelques semaines. Maintenant, il faut que le travail se fasse, de voir comment est-ce que ça peut se mettre en place. On va poursuivre l'information ensemble avec Commission Travaux Publics, Chambre députée, qui chita parler mardi 19 décembre avec Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, accompagné directeur général Conseil national télécommunication Conatel, Jean-David Rodney. Rencontre inscrit dans le cadre suivi dernier chita parler, parlementaire au fait avec chef gouvernement. Sous mauvaise qualité service compagnie téléphonie mobile à bail population. Député au programme yon lot chita palé pour 18 janvier pour joindre une solution à problème si là. On suit yon bout. On a là par rapport avec et comme si m'dazou des recommandations que le parlement a été fait, nous pas trop satisfaits parce que nous ouais vraiment gouvernement pour commettre du voile au propre. Donc, il m'a demandé nous 21 jours pour retourner là, pour venir avec des décisions claires, des décisions concrètes pour résoudre le problème ça, pour résoudre le problème téléphonie mobile là. Pas oublier, on a parlé de technologie 4G. Je veux dire, il y a des investissements faits dans 3G qui saturent, qui ne permettent pas que les gens jouent un service. Donc, si nous allons passer dans 4G, je veux dire, il n'y a aucune compagnie sur le territoire national là qui gagne et comme c'est une licence d'exploitation pour agir sur 4G. Donc, quelque soit compagnie nous pas gagné et récemment nous t'ap gardé une compagnie qui t'ap ba en conférence de presse faut ta dit question perdu minute là son bagage qui pas exister faut ta dit que problème couverture internet là que yo pas fait dans pays pas exister faut ta dit que là on moun après l'eau dans téléphone on gagne devant moun là moun pas ka joindre faut ta dit ça pas exister nous wè compagnie yo rentré non opération de communication donc nous même qui là nous c'est le pouvoir législatif le pouvoir exécutif est là. Donc, nous engager nous ensemble pour nous avancer. Et ça fait nous dire, directeur, il faut qu'il fasse très attention par rapport à l'ensemble des décisions qu'il a faites. Nous connaissons des négociations qu'il a faites avec les compagnies de téléphonie mobile. Il y a des propositions sur la table côté a demandé des licences d'exploitation pour 15 ans. Au niveau du gouvernement ou bien au niveau du Parlement haïtien, nous-mêmes, nous clairs, pour le ministre, là, c'est le premier monde sous table qui dit va d'accord. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans une situation de monopole là. Donc, nous continuons de travailler. Donc, bon ensemble de documentation nous demandons. Par exemple, comme qui suppose rentrer dans la question et si taxe au prend sous minute 5 centimes au aujourd'hui et Conatel pas gagné aucune technologie qui permette lui comprendre que sa compagnie Obalia c'est exactement ça au fait. Donc je dis à 10% taxe qui pour prendre son série de produits. Donc produit ça qu'on a fait sur téléphone, il y a assurance qu'a fait sur téléphone, mon série de l'autre produit. Nous, c'est sous téléphone tout à fait. Donc, je dis à un ensemble de problèmes qui posaient par rapport à la problématique secteur en général. Et nous pensons que gouvernement n'a pas continué de travailler. Je nous dis que le Parlement a décrété la permanence. Nous allons faire rencontre pour rencontre. Ce sont une série de rencontres. Nous avons fait 3, nous avons fait 4, nous avons fait 5. Pas oublier, c'est des problèmes structurels. Donc, à chaque fois qu'il y a des avancées qui sont faites, le Parlement a venu là pour l'évaluer. Donc, et puis, on a fait des recommandations, on a gagné pour nous rencontrer, mais toute rencontre qu'on a faite, on a fait dans la transparence. Toujours dans le même sujet, ça, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine reconnaît compagnie téléphonie mobile au bail mauvaise qualité service by population. Cependant, dossier ça doit bien traiter pour éviter pire devant même problème ça pas répété. Dans ce sens, ça, chef gouvernement mande rencontre entre représentants compagnie yo à Conatel pour joindre une solution. On suit. Il est question que il y a des gens dans la population qui perdent 10 minutes, n'est-ce pas vrai? Donc, on a penché nous sur le dossier ça. Et c'est ça qui fait que je dis, on m'a demandé quand même au moins encore, parce que le directeur Conatel a venu avec des éléments. Nous avons eu une réunion avant et puis nous avons eu une réunion aujourd'hui. Mais nous n'avons aucun document en main pour nous capables de présenter par honorable député. Donc, d'ici un mois, nous pensons que nous remercions le Parlement d'être que Liban nous opportunité ça. Pour nous cabiner avec documents et avec documents ça nous n'a pas capable de discuter pour nous qui côté problème là et qui solution nous déjà joindre à problème ça gagner des contacts qui fait déjà et nous pas tellement satisfait de contacts ça
nous avons l'autre rencontre que nous allons organiser pour nous capables de gagner, n'est-ce pas vrai, pour nous sentir nous beaucoup plus confortables. Comme dis-nous que la réunion ça cap fait là, est très important pour nous au niveau du gouvernement de la République. C'est le Parlement a exercé un prérogative que le gagne qui c'est contrôler les actions du gouvernement. Jodian, il a parlé par exemple de Petro-Caribé. Si que tu as gagné un contrôle qui était fait à l'époque, nous pas t'a parlé de ça. Et nous voyons que dans la dernière intervention que le président de la République dans Libye, il dit comme ça que la corruption c'est d'abord la prévention. Donc c'est prévention on a fait là. Et je pense que c'est très important. Qui est-ce qui a plus gros bénéficiaire de ça? C'est le peuple haïtien qui a plus gros bénéficiaire de ça. Si nous prenons par exemple technologie 4G qui gagne, que nous, Haïti fait pour aller vers 4G, Kounia, nous connaissons que le fait que nous passons 4G, ça baille des problèmes au niveau de la communication. Tout, parce que dans la même bande, où il y a des données qui passent, où il y a des appels téléphoniques qui passent. Donc nous besoin on l'autre système. C'est quand tu as une route à deux voies, qu'on a besoin d'autoroute qui a 6 voies ou bien qui a 8 voies. Lorsque tu as deux voies, tu as pile embouteillage et pour les machines bloquer même sur la route Carrefour par exemple. Quand tu as 8 voies, les machines peuvent aller sans problème, sans que tu aies embouteillage. Donc, c'est pour nous passer de technologie 3G à technologie 4G, hein, bah, ça, il faut pour faire dans toute transparence. Donc, c'est le résultat que nous avons, lorsque nous avons rencontré. Contourant contre matin, hein? Côté que nous gagnons des recommandations que les honorables députés ba nous, et qu'on y a nous pral chita pour toute négociation qui gagne pour faire, pour ne pas faire dans nos troubles. De sorte que après, nous tous nous sentons confortables, population sentit nous confortables, pour ne pas attendre que même j'en gagne un dossier Petro-Caribé, ou tendez après un an, deux ans, il y a un dossier 4G qui parle. Donc c'est pour vous dire que nous-mêmes nous sommes tout à fait confortables, au contraire, nous contents. Est-ce que nous avons un genre de rencontre ça qui permet nous avancer, n'est-ce pas vrai, avec plus de quiétude d'esprit, et cela au bénéfice du peuple haïtien. Nous te parlé de ça dans grand titio. Commission spéciale sous amendement constitution rencontrée mardi 19 décembre à plusieurs anciens premiers ministres. Chita Palessa qui réalisé dans Pétionville, t'es occasion pour ancien chef gouvernement ça by disons yo sous amendement qui doit fait dans constitution dans cadre échange yo ancien premier ministre yo expliqué problème yo te kon fait face là yo te dans tête gouvernement en Haïti et puis proposer ça qui doit fait pour un moment loi pays a pi adapté yo extrait dans micro John Herbie Casseus à Rémi Godjit yo parlé avec commission yo expliqué nous yo même comme chef gouvernement comme premier ministre, mais qui problème yo rencontre pour n'ap diriger pays a, mais qui problème qui gagne lo ap diriger bak pays a, et que constitution capable prévoir une série de articles qui c'est obstacle n'ta capable dire à la bonne gouvernance. Donc nous même dans commission nous content en pile parce que dialogue national a continué, concertation nationale a continué. Nous connaissons que jusqu'au 31 décembre 2017 n'ap rencontré à tout secteur yo. Demain n'ap rencontré avec la Fédération nationale des AZEC. Ensuite, nous avons rencontré avec la Fédération nationale des CASEC, même jour. Après ça, c'est le secteur populaire que nous avons commencé à rencontrer jeudi. Donc, nous-mêmes, nous déterminons au niveau de la Commission spéciale sur l'amendement constitution pour nous faire un travail sérieux, pour nous faire un travail honnête, pour nous faire un travail transparent. Nous avons quelques anciens premiers ministres qui disent que y ont des gens inquiets, que pas gagner des intérêts cachés, des mains cachées, des secteurs cachés derrière. Et décision pour nous avancer vers un amendement constitution. N'a dit non, n'a dit que commission ça avec toutes neuf commissaires qui siège yo, yo gen Haïti d'abord comme priorité. N'a dit yo nous pas gen aucune autre boussole, aucune autre ambition que aller vers un amendement qui pour faciliter gouvernance pays. Proposition amendement fait pour sortir en nan pays. C'est pour ça que nous pour aller sortir un rapport que nous gen un rapport d'étape. Rapport d'étape ça depuis le sorti, n'a prend nous va le faire tourner national dans toutes 10 départements. Et après consultation nationale, ça seulement, nous allons mettre un rapport définitif. Est-ce que nous prenons tout ça qui est en considération? Je suis capable de dire à 90% oui, parce que nous gagnons un exercice d'arbitrage que nous avons obligé de faire tout. Ça veut dire qu'il y a des propositions qui ont faites que nous ne pouvons pas accepter.
mais il y a des propositions tout que nous pas capable accepter. Regardez 9 ou 10 anciens premiers ministres Chita là et yo tout d'accord sur une série de bagailles qui pour changer pour améliorer le fonctionnement de la constitution. Est-ce que la commission a spécial amendement capable de dire qu'elle peut tenir compte de ça? On pas quoi n'a pas faire comme ça. Donc moi c'est son petit patience que n'a demandé société à pays à la presse, n'a baillon date c'est 31 mars 2018. À date ça, m'ba nous tout rendez-vous à une proposition d'amendement. On recommandation d'amendement qui sort ici dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Nous avons pris le même sujet ça, ensemble avec l'ancien Premier ministre Evans Paul qui félicitait l'initiative commission spéciale sur l'amendement de la Constitution en prend pour Chita Palais avec l'ancien chef gouvernement. L'ancien Premier ministre l'a fait connaître, c'est normal pour tout secteur dans la société. Bay dizon yo sou sa ki doit inscrit comme loi dans constitution li proposé pour créole la gain priorité dans constitution amendée en suivant bout nous tout parler créole c'est une langue qui m'a connait haïtien ensemble mais ou créole là nous parler là embarrassé mais document officiel yo fait en français et document officiel yo fait pour qui ça yo fait pour défendre intérêt peuple haïtien, majorité peuple haïtien, mais tout haïtien parle créole. Pour qui ça, document officiel yo pas fait en créole, ça fait me proposer dans amendement que nous établissions une hiérarchie dans la question de langue officielle. Là, faut nous dire créole première langue officielle, français deuxième langue officielle. Pas dire retirer français parce que nous besoin français comme langue internationale. Même gens, tout le monde a la liberté pour parler anglais, parler chinois, parce que langue sont outils de communication et langue est important pour connecter monde avec monde, mais langue fondamentale pour faire société avancer, c'est créole. Moi-même, en 1987, moi suis un dissident de constitution 1987. Là, moi pas de voter. Et je me suis dit, comme militant politique qui pas de voter. Et je me suis expliqué pour qui ça. Et là, je me suis dit, pas de voter, là, c'est pas moi-même seul. Et qui de parti me fait partie de là, tu déjà existé, pas comme parti, mais comme organisation de base, nous te ouais, tu as une pile incohérence, tu as une pile contradiction dans la Constitution. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause, mes téléspectateurs, n'a pas invité à rester branché, n'a pas retourné tout de suite. Merci parce que nous toujours été branchés, information sur télévision nationale d'Haïti. Deuxième tranche, journal a démarré pour nous faire tout le monde connaître. Ministre Kiltiak Communication, Limon Toussaint, présenté mardi 19 décembre, comité Capgain pour organiser Carnaval National 11, 12 à 13 février 2018 Capvinila dans le pays. Comité SILA composé comme ça, c'est Claudel Dumas, président, Jean-Michel Lapin, vice-président et puis responsable finance, Andy Durosier, secrétaire général, Nancy Carrara, représentant la présidence, Fred Lizer, responsable animation musicale, Albert Chancy, co-responsable animation musicale, Emily Prophète, responsable communication, Maël David, responsable artistique, Yves Penel, co-responsable artistique, Erol Josué, deuxième co-responsable artistique, Dishni, Johan Raton, membre, et puis Alexandra Auriol, membre. Mandat comité ça aboute 31 mai 2018. Ministre Kilti en fait qu'on est pas bien chéré pit entre comité. Carnaval national ak comité carnaval mairie Port-au-Prince là. Président comité carnaval national là, Claudel Dumas, Soubopali promet yo pral travail pour vannyon pi bon image Haïti à travers carnaval sila en suive. Pas gen conflit, son va l'état prend. Le mettons comité pour planifier et ce comité a assumé responsabilité, mais toujours sous regard gouvernement, c'est-à-dire ministère culture qui l'a, avec tourisme, l'Amérique qui l'a. Et pas rien, aucune discussion entre trois instances qui l'a pour ça. Nous allons poursuivre avec le journal là pour qu'on nous fait qu'on ait une délégation, organisation État américain, à qui une organisation mission. Nations Unies pour appuyer la justice. Chita Palais avec président commission justice sécurité avec défense nationale Jean-Renel Senatus. Plusieurs points été abordés pendant rencontre ça tant coup travail sous amendement code pénal avec principale mission MINUJUST d'après sénateur Jean-Renel Senatus qui était dans le micro Fidner confident avec Moïse Wilbridge pour plus précision.
avec une délégation de l'OEA qui lui-même te gagne là-dedans plusieurs représentations d'ambassades. Donc, ambassade des États-Unis, ambassade de la France, ambassade du Canada, qui avec l'Union européenne, qui est venu nous. Un, pour vous présenter nous de félicitations pour le dynamisme que nous mettons en dans la commission que nous avons dirigée avec la commission justice là. Mais pour te ouais tout ensemble avec nous dans différents chantiers que nous avons travaillé, dans quel niveau que nous y. Effectivement, nous faisons un bon échange ensemble avec vous. Dans le cours d'échange, là, nous avons travaillé que nous avons fait déjà, tant qu'on travaille au PC, travail au PC qui, bien sûr, nous dit nous, qu'il y a une organisation de défense de l'Amoun qui a un problème avec Renan Edouville et que nous pas tavlé Haïti capable de sanctionner l'année prochaine par rapport avec le choix président de fait de Renan. Et nous avons expliqué que le Parlement a fait a choisi. En fonction de ça, la loi dit, en fonction de sa constitution, lui-même le dit. Nous avons une question sécuritaire de manière globale ensemble avec vous, question conjoncture, la présence policière à travers les rues, et là, nous avons une présence au cours de journée. Quand nous avons dans tout le pays, il y a des policiers qui sont dans la rue, mais dans la nuit, nous avons constaté manquer policiers à travers la rue, nous avons ça ensemble avec vous, comme point de travail sous lit avec la direction générale de la police. Là. Nous te posons une question qui va nous y avec le code pénal là et le code de procédure pénale là. Ça te fait un pile un dialogue entre nous pour nous voir même comment le code pénal pas y avoir telle infraction pour nous faire un droit comparé qui va permettre le code pénal pas nous capable de travailler qui est plus potable pour les pays qui ont fin adopté pour au moins c'est pas un bagage qui seulement adopté à la va-vite. Mais plutôt, on va dire qu'il reflète, ça nous décarrile l'objectivité et surtout le respect des droits internationaux de l'homme. Notez pour dans le deuxième temps, ensemble avec le ministre qui est venu voir nous, nous avons besoin qu'on ait un cadre de coopération qui existe, qui a existé entre nous-mêmes, avec nous-mêmes comme commission. Et là, nous avons avec nous, un petit schisme qui s'est gagné entre le bureau du Sénat et l'autorité dans le ministre. Parce que l'autorité Sénat, il faut qu'accord ratifié. Or, M. Saté pour le démenti, président, publiquement, pour le dire, l'accord pas ratifié. Moi-même, je dis, en tant qu'autorité haïtienne, moi, pour toute coopération qui permet de nous avancer pour le bien du pays. Cependant, les chantiers doivent être identifiés, les attributions doivent être clairement définies. Qui chantier? Par exemple, on a parlé de stabilité, on a parlé des institutions qu'on a renforcées. Nous, on est ministre, fait 13 ans, là, de quitter en bonne zone, il y aurait les zones de non-droit. Côté monde, pas qu'à marcher dans la nuit. Ou du moins, moun peut passer là-dedans. Yo crée une certaine perception sur certaines zones qui fait population même peu zone sa yo et y aller pas un commissariat qui monte là-dedans, pas une façon de mettre pour au moins si tu as un problème en matière de sécurité pour nous répondre. Nous dit ça va qu'à faire avec mini juste, faudrait-il bien que nous commencer identifier quelques problèmes. Par exemple, moi même dans l'ouest du moi dans l'ouest, on connaît Kafou Marassa, son Kafou qui t'a doué en bas contrôle, la police faut que dans ce commissariat. Faut que ce commissariat Kafou Cesles dans la voie. Faut gagner dans Kafou Brut sur tout Domazo. Faut gagner ce Kafou qui marche sur route Malpasse là. On dit ces chantiers une fois nous identifiés, faut que ministre Zata dit qu'il avait utile non, est-ce qu'il va le construire pour nous ou bien est-ce qu'il va le réhabiliter commissariat yo? Nino Karamaoun, un représentant organisation État américain, exprime satisfaction pour travail commission justice, sécurité et défense nationale a fait dans le Sénat. Nino Karamaoun encourage le sénateur Sénatus à continuer son même lancéa pour l'année 2018. Là. On suit. On était là, comme le sénateur l'a bien dit aujourd'hui, dans une visite de courtoisie et d'échange. Oui, je remercie le sénateur de son temps. Ça a été une opportunité de discuter avec lui en sa qualité de président de la commission justice et sécurité sur la grande année 2017. Nous sommes en fin d'année, donc c'est la grande année 2017 et voir tous les accomplissements de cette commission et surtout de voir aussi où est-ce qu'on va vers 2018 sur les questions de justice, de sécurité, d'état de droit et de droits humains qui sont des priorités pour nous tous et pour Haïti. Et nous remercions le sénateur pour son temps, sa disponibilité et son franc-parler. Et comme il l'a noté lui-même, nous le félicitons pour son dynamisme. Et nous avons hâte de voir ce que 2018 réserve à la Commission et au travail du Sénat. Les échanges nous permettent de réaliser à quel point le sénateur est dynamique et à quel point sa commission travaille. Je pense que je permettrai au sénateur de continuer sur les grands chantiers lui-même.
mais nous soulignons son excellent travail et je pense que nous continuons et nous espérons pouvoir reproduire de tels échanges au courant de l'année prochaine. Nos priorités demeurent pour nous tous les questions d'état de droit, les questions de justice et de sécurité et de droits humains, et ce sont les priorités du sénateur. Donc je pense qu'il est intéressant de voir où est-ce que nous allons avec ces grands chantiers. Nous pourrons poursuivre l'information ensemble avec le ministère haïtien qui vive dans le pays étranger, qui a organisé une cérémonie officielle pour un hommage à environ 22 compatriotes qui vivent l'autre bord de l'eau pour contribution dans le rehaussement pays d'Haïti à l'étranger. Programme ça a porté nom Champion de la diaspora. Cérémonie en déroulée lundi 18 décembre dans Pétionville sous haut patronage la présidence. On suit un reportage. C'est dans l'idée pour montrer reconnaissance envers 22 champions diaspora pour qualité de travail. Ils ont réalisé avec façon, ils ont une image positive face au pays d'Haïti. C'est une manière pour mettre en valeur le succès haïtien à faire dans l'autre pays et puis faciliter aux bénéficiaires droit pour posséder et développer bien dans le pays d'Haïti, d'après ministre Stéphanie Auguste. La Journée internationale des migrants est célébrée cette année en Haïti en regard de la contribution de nos compatriotes au développement tant de leur terre natale que dans leur pays d'accueil. Avec l'accompagnement de la présidence et de la primature, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger entend mettre en lumière l'inestimable apport des Haïtiens de la diaspora au mieux-être de la nation. Dans le moment, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine déclarait c'est un devoir à qui un symbole envers petit pays qui vit l'autre bord de l'eau qui pote flambeau pays bien haut. Pendant l'y encourager, il m'avait continué l'initiative SAYO pour renforcer le lien à la diaspora. Le gouvernement de la République, sous le leadership éclairé de son Excellence Jovenel Moïse, souhaite davantage reconnaître l'importance du rôle des Haïtiens de l'extérieur dans le processus de reconstruction et de relance de la croissance économique du pays et d'y associer cette frange dynamique de notre population à toutes les initiatives qui seront menées pour le bien-être de la nation. Ainsi, l'initiative de ce soir fait partie de cette ligne directrice qui veut accorder une place de choix à la diaspora haïtienne. Champion Sayo, c'est femme et garçon qui sortit en Haïti, qui a évolué dans plusieurs domaines, tant que scientifique, professionnel et artistique. France Benjamin, dans nos champions, remercie les responsables pour l'initiative ça. Aujourd'hui, cet hommage qui nous est rendu, alors j'aimerais au nom, bien humblement, au nom des membres, de l'ensemble des membres des hommagés, si je peux me permettre cette expression, de remercier le gouvernement haïtien, de remercier Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ainsi que l'ensemble du gouvernement haïtien d'avoir pensé à ce geste. La solennité du moment nous rappelle cette phrase faisant partie de notre hymne national pour le pays, pour les ancêtres bêchons joyeux. Bien que nous ayons choisi de bêcher sous d'autres cieux, de force ou de gré, mais notre attachement à notre terre est aujourd'hui récompensé par cet hommage. Ministère haïtien qui vit l'autre bord de l'eau remet placonné avec mérite by environ 22 champions saillot pour façon de contribuer à la présentation Haïti sous scène mondiale. Et puis, nous fait tout le monde connaît date 22 décembre, toujours Kembe pour enterrement Mano Charlemagne. C'est sa directeur général, ministère Kilti, Jean-Michel Papin, fait connaître Jodia. Directeur général l'a annoncé gagnant dernier hommage et après Natislan jeudi 21 décembre sous champ de masse. En suivant un extrait. Hommage avant Mano Chalmay à l'an dernier demeure, il a fait dans le kiosque Occidentie. C'est jeudi soir, à partir de 6h du soir, côté que ministère, l'État ici à travers le ministère Kilti a offert un podium libre sous coordination Fred Lise. Funérailles là, c'est vendredi matin, pas grand-chose changé la donnée.
c'est encore sous kiosque Occidianti, funérailles Mano Chalmay a chanté, funérailles officielles Mano Chalmay a chanté, et après, la direction commune Verrette, côté que Mano a habité depuis qu'elle est retournée à Haïti définitivement, et c'est famille Mano qui décide que reste Mano pour aller dans la commune Verrette, même vendredi matin. Qu'on y en a performé tout le monde, Puritab, c'est non, y a un nouveau produit qui est lancé sous marché pour traiter de l'eau. C'est l'agence Pro-Pharma SA qui présente une nouveau tablette SILA. Responsable dans l'agence LAN, conseiller population a servi avec nouveau tablette Puritab pour diminuer microbes dans de l'eau. Y a un reportage Marie-Jolouis avec Moïse Wilbridge. Nouveau tablette Puritab ça pour traiter de l'eau, c'est une en plus en par rapport à ça qui déjà existait sur marché. D'après responsable, tablette Puritab là déjà en plus passé 60 pays. Comme ça, yo estimé population haïtienne capable d'utiliser là pour éviter yo trapper maladie. Responsable expliqué, c'est un produit qui déjà existait en Haïti. Ti boîte là gagne 17 comprimés, yon grain pour traiter un gallon de l'eau ou capable d'utiliser. Le projet Sangera pour introduire Puritab là, qui sont tablettes qui permettent de purifier de l'eau, qui permettent de traiter de l'eau ou même pour une garantie, pour une assurance que l'eau sera boue, n'est pas porteuse de maladie, n'est pas porteuse de la mort. Compagnie ça que fait Puritab là, c'est Medentech. C'est une plus grosse compagnie qui investit plus l'argent dans le traitement de l'eau. Nous avons deux formats. Nous avons un format 17 mg dans lui-même qui traite, qui c'est une tablette pour un gallon de l'eau. Lui-même qui traite un grain de gallon de l'eau. Et puis nous avons un format 67 mg dans lui-même qui traite 5 gallons de l'eau. Et nous devons, comme M. KVPT, avoir un prix très abordable. Donc, boîte ça qui est 50 comprimés, lui-même, il vend 75 gouttes. Dumaine Fortuné, qui est un expert dans le domaine, fait connaître, il encourage la population pour assurer de l'eau, la boya bien traitée. L'eau qui n'est pas traitée, elle est chargée avec microbes là-dedans, elle est chargée avec parasites là-dedans. Et parasites, ça y est, ils ont de graves problèmes de santé, tant qu'une infection intestinale. Et problèmes, ça y est, qu'on affecte le foie, le poumon, nous. Donc on affecte le cerveau, non, pour nous. Et les microbes ça, que nous avons dans l'eau, c'est les mêmes qui la cause que nous avons des maladies qui est le choléra. C'est les microbes ça, qui ont des diarrhées. C'est les microbes ça, qui ont la fièvre typhoïde, diphtérie. Donc nous avons besoin de bien traiter de l'eau que nous avons boire, nous avons fait manger. Nous avons besoin de bien traiter de l'eau ça. Yo. Parents, chefs, famille, nous avons besoin de traiter de l'eau yo, pour nous protéger la vie. Non. Santé nous, santé tout le monde nous. Puritab, c'est une tablette qui est fabriquée en Irlande et c'est l'agence Mendech Pro Pharma SA qui est autorisée pour distribuer les produits sur le marché. Rapidement, Mme Jean-Bénin, actualité en sous-plan international. Pour nous faire connaître, j'en ai dit, dans le grand sitio, environ 3 personnes mourir avec une centaine d'autres blessés dans un accident de train qui fait lundi 18 décembre dans le pays États-Unis. Train a assuré liaison entre Seattle et Portland, d'après Bureau enquête Conseil national sécurité transport américain. Train a roulé à 128 km/h au lieu 48 limite qui fixé pour train rouler dans zone là. Train a déraillé yon ti krastan avant le passer sous yon pont ferroviaire dans Nord Olympia, capitale État Washington. Président américain Donald Trump présenté stratégie sécurité nationale lundi 18 décembre. Chef l'État américain allongé doit être sous la Chine avec la Russie comme principale menace suprématie américaine. Président Trump annoncé qu'il pourra essayer de construire un partenariat solide avec la Chine, la Russie, ensemble avec l'autre pays encore, tout pendant la protéger intérêt national. Président américain en palais sous danger régime nord-coréen a représenté journée jodia pendant li accusé Pakistan d'après li qui pas lutter à toute force li contre fondamentalisme. On suit.
Nous sommes aussi confrontés à des pouvoirs rivaux, a-t-il déclaré. La Russie et la Chine qui défient l'influence, les valeurs et la richesse des États-Unis. Nous allons essayer de construire un partenariat solide avec eux et d'autres pays, mais de manière à ce que notre intérêt national soit toujours protégé. Et puis, mardi 19 décembre, Jean-Sa Confette, chaque année, Reporters sans frontières présentait bilan sous quantité journalistes qui perdu la vie dans exercice travail. Pour l'année 2017, 65 journalistes perdu la vie, 326 lots emprisonnés. Parmi plusieurs pays, Mexique, c'est seul qui pas d'accord au dénoncer corruption dans le domaine politique à crime qu'a fait dans le moment. Ça a quitté la cause Javier Valdez perdu la ville dans le mois mai qui s'est passé. 326 journalistes emprisonnés dans le monde, il y a 52 dans le pays la Chine. Pays États-Unis bloqué en résolution ONU prend sous dossier Jérusalem mardi 19 décembre. Pays États-Unis mettait pinga sous résolution ONU à cause décision li prend pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël. On suit. 14 membres Conseil sécurité voté une résolution pour condamner au naissance Jérusalem comme capitale Israël. Alors que les États-Unis mettait veto sous résolution ça. C'est pays Égypte qui était précisé document. Nikki Haley déclare aux États-Unis qui bloquent résolution pas faciliter nos joindre solution dans conflit israélo-palestinien. Nikki Haley précise ça yo dans une réunion Conseil sécurité l'ONU qui te paraît une insulte. Dans une vidéo qui paraît sur Facebook, Premier ministre israélien déclare ambassadrice américaine dans position li prend pour porter toute vérité sur dossier. Après réunion Conseil sécurité, Palestiniens ont annoncé une élection dans l'Assemblée générale l'ONU. Même si le texte est adopté, pas de force contraignant. Merci, Dormine. Et c'est là que nous mettons un bout dans le journal